Ah, salut amis de Peste Mojo, on se retrouve donc pour la suite de Tsiga. Bon, la dernière fois nous avons fini un chapitre et nous commençons donc un nouveau. J'adore cette musique. Franchement, normalement, parce qu'avec en fin de vidéo, je mets des liens bah, pour la playlist de ce Let's Play. Mais aussi, je vous mets, par rapport à mon autre chaîne YouTube où je mets des animes, j'ai mis l'anime Disga. Et franchement, je vous conseille de regarder le 11e épisode, parce que le 11e épisode, qui est l'avant-dernier épisode de la série animée, ça, c'est par rapport au chapitre 8. Ouais, les chapitres sont pas vraiment rangés dans les marques que par rapport au jeu. Mais franchement, je vous conseille de regarder l'épisode 11 pour avoir l'histoire de la version anime. Qui est très très bien aussi. Et qui va un peu plus vite que le truc parce que là c'est coupé par des cons et tout le bordel. Et on peut avoir, on peut voir à peu près à quoi ressemble la merde là. Parce que je sais plus si dans le jeu on le voit pas. プリニーさん、あの、こんな時間にどちらへ？あいつらを止めちゃいけないよ。え？あいつらのことはそっとしといてやっておくれ。あいつらはやっとのことで償いを終えたんだからね。私たちにできるのはあいつらの次の人生が幸福であることを祈ってやることだけさ。 もしかしてこれが有名な夜逃げっていう行為かしら。あの、なんだい？あなた、他のプリニーさんと雰囲気が違いますよね。もしかして私がペンダントをなくして苦しんでいた時に薬をくれた方では？さ、何のことだい？でも他のプリニーさんと言葉遣いが全然違いますよ。 何のことっすか？私、いや、俺、みんなと一緒っすよ。わかりました。何か事情がおわりなんですね。じゃあ、これは私の独り言です。ありがとうございました。フロンさん、フロンさんが来てから、 殿下はちょっと変わったみたいっすね。え、そう思います？思います。よかった。私って思い込みが激しいとか都合のいい解釈をするってよく言われるので自信がなかったんです。でもあなたもそう思うなら思い込みじゃないですよね。うん、間違いなくラハールさんは 愛に目覚め始めています。 Il y a un truc que je suis pas sûr, c'est que sa version DS, c'est la musique Akaitsuki qui tourne en fond tout le long du dialogue. Parce que j'aime bien la musique. Yappari. Aïe, t'es subarashii desu ne. So ne. Dai 8wa. Reincarnation. なんだと？だから、プリニーが何匹か消えたんですよ。なぜだ？そんなの知りませんよ。殿下の態度が悪いから逃げ出したんじゃないんですか？ Donc je parlerai pas juste de comment t'as traité tes prénis au tout début du jeu. Hein. Non, j'en parlerai pas. たしかに 20時間労働で休日なしは少々きつかったか。 そんな重労働をさせるから
夜逃げされるんですよ。夜逃げ？お前、何か知ってるのか？いえ、知りませんよ、何も。Je sais rien, rien du tout. Elle a dit, pour être précis. Denka. Nanda. Sonna ni shinpai shinakutemo. Aitsura nara daijoubu ssu yo. Ore-sama wa shinpai nado shite oran. Daga, kerai ni nigerareta to atte wa maou no mentsu ni kakawaru. Dakara, kieta Pyrenidou mo sagashite yaru koto ni suru no da. Shikata naku na. Hidoi desu, Raharu-san.そんな言い方しなくても。まあまあ、フロンちゃん、あれは殿下の照れ隠しなんだから。そうなんですか？多分Après tout, Prion sont des humains, je suppose qu'ils s'habitueront jamais à la vie dans ce monde. Je ne pense pas qu'ils soient si fragiles que ça. Ah, vu que tu te la remets, c'est sûr. Venu au château de l'Overlord. De temps en temps, une petite introduction comme ça, c'est sympa, non ? Moi, vous me posez la question, je ne sais pas vraiment quoi dire. J'ai gardé les secrets jusqu'à maintenant, mais en réalité, je suis une fille. La révélation ultime. Nya 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 nya. Ah oui, ça coûte 100 000. Oui. On parle du prix. Attendez. On parle du prix de Rainbow ou pas? Là. Si je veux le voir dans le monde des objets, parle de son prix ou pas. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 10 milliards. 10 milliards, ça coûte 10 milliards de elle. Le truc coûte. Oh là là. Et il va falloir que j'achète tout ça aussi. Ok, je m'attendais pas à ce qu'elle coûte si cher. Si pourrait-il vous servir? Vous tenez le bâton de sorcellerie. Et c'est tout ce que j'ai. Alors là, alors d'habitude je parlais pas à chaque fois au PNJ. Je savais même pas que certains PNJ pouvaient donner des trucs gratuits. Hein. Quand t'as vu que les prédits s'enfuient, c'est pas vraiment surprenant quand on sait qu'ils sont sous vos ordres, prince. Qu'est-ce que tu entends par là? Oh, allons! Vous voyez ce que je veux dire? LOL. Je retrouve un peu plus la mémoire chaque jour qui passe. C'est un du jour où le roi et la reine se sont rencontrés pour la première fois. Un démon amoureux d'une humaine. J'ai l'impression de ne plus reconnaître le roi. Là, j'ai été radieux la première fois que j'ai vu son sourire. Mon cœur s'est serré. En regardant ce sourire, j'ai senti en moi grandir une haine infinie pour la reine. Loyauté pour loi, j'ai l'impression qu'il l'ignorait totalement à cause de cette femme. Le prince aîné, le fils du roi, le fils de cette femme. J'étais déchiré par des sentiments contradictoires à l'époque. Depuis peu, les choses ont changé. Mais mon ressentiment pour la reine a cessé avant que je puisse faire quoi que ce soit. On va voir si le bâton de la sorcellerie, ça vaut le coup. Ah oui! Oh! Bâton qui a eu un autre magie sympa et en plus, relégendaire. Hein. Je donne ça à n'importe quel mage, il devient pété là en fait. Arc venimeux, à quoi vous attendiez? Dangereux à quoi vous. Ah oui, d'accord, je savais même pas, le jeu m'a donné un objet cheaté gratuit. Hein? Je donne à qui? Calme-moi, Dinté. Chiki, allez hop. Le corps d'Hercule.
77, 300. Oui, la cote de maille, peut-être lui donner la que tu vales. Ouais, pour donner un peu plus de puissance à ma... Hop. Bon, je te donne le corps d'Hercule. Ça, je peux le vendre par contre. Alors là, le bâton de sorcellerie gratuit, il est en plus de rang gold. Putain, j'étais pas prêt. Ok, tu racontes. Je vais vous donner un indice sur l'équivoque. Elle est au champ des généraux de très plein de primes. Et tu appelles ça un indice? Tu appelles ça carrément la solution, mais bon... Je rachète juste un peu de main de voleur. Ah non, je suis con, la boutique d'armure, c'est... Gilet magique. Moins cher que la gonflette. J'aime bien. Moins cher que la gonflette. Uniforme de l'école de magie. Je vais surtout pas le donner à l'autre, je pense. Hein. Elle, ça sert à rien que je lui donne, elle vient tout avoir un bâton cheaté. Hein. D'avoir un putain de bâton cheaté, je vais pas lui. Préparez-vous par le zombie là-bas, il se vantait d'avoir un indice important pour vous. Oui, c'est déjà fait. Théâtre de la mort. Oh, la map de merde. Là, le vœu que j'ai pu me lancer en dégueulasse, c'est un glitch qui joue sur son DS. Par contre, tu peux pas, mais en fait, si t'appuies au même temps que tu changes de direction, tu peux aller en diagonale. On est à frontier, mais pas à ça en fait. Thank you.
truc que j'avais jamais maîtrisé à l'époque sur DS. C'est bon. T'aimes pas le feu? Là, j'ai cru l'utiliser aussi au bout d'un moment avec les zombies de la salamande de feu. Je m'amusais à faire ça. Je mettais hop comme ça, là tu vas la rattraper sur retard de level. Et à coup, elle a tué un mob de niveau 72. Quand même, elle a été niveau 29. Hein. C'est ça que je trouve assez hallucinant dans le jeu, c'est elle était niveau 29. Je lui ai fait battre un ennemi niveau 77. Elle gagne 3 levels. Tu fais ça dans n'importe quel RPG, t'as le perso il gagne 10 avant level. Ton 10 gain, je te jure, l'XP elle est comment dire ça hardcore. Après t'as un truc avec Xenoson qui permet d'augmenter ton XP de 300%, n'est pas au-dessus. Déjà 300% c'est pas mal. Ça fait le quadruple. J'appelle résister. T'as faiblissé mon terrain. La glace, ok. Où est ma meuf de glace? Ouais, je suis dans le cas d'équipement. Oh non.
Elle comme elle vient de XP juste en voyant. Déjà qu'une régène assistant c'est déjà pas mal. Ok, les dés sont sensibles à la glace. C'est sensible à quoi? C'est pour ça qu'il y a des pratiques sur mon céleste pour passer les mobs qui tiennent. Si j'avais pas autant XP, maintenant elle aurait été morte dès le premier tour en fait. おい、お前。あの、私のことですか？そうだ、お前だ。お前、本当にプリニーたちのこと何も知らないのか？今朝からどうも様子がおかしいように見えるのだが。知りません。知ってても言いたくありません。な、何？ラハールさん、私にはフロンという名前があります。おいっても、 お前でもありません。ラハールさん、初めて会った時からまだ一度も私のこと名前で呼んでないんじゃないですか？だからどうしたというのだ。人の気持ちというのはデリケートなものです。ちょっとしたことで傷つくこともあります。ラハールさんはちょっと無神経すぎます。なんでもしたらペン。もっと愛を持ってみんなと接するべきです。 愛がないからプリニーさんたちにも逃げられたんですよ。なんでも。なんだと？このクソ生意気なアイマニアめ。俺様を誰だと？それです。そういう横暴な態度がいけないんです。そんなことでは
いつまでたっても立派な魔王さんにはなれませんね。フロンちゃん、それ天使の言うセリフじゃない。ひたふうな口を叩くな。もうよい。お前とは二度と口を聞かん。Ah, c'est la map justement qui te dit. Ah bah faut les mixer. Donner un mob plus puissant. Se planter littéralement. Et qui arrivera à le tuer, tu auras les trucs, hein.
の。エトナさん、ん？ラハールさんってどうしてあんなに横暴なんでしょう。は？あんた何言ってんの？殿下の横暴なんて今に始まったことじゃないじゃん。そんなことありませんよ。エトナさんは気づいてないんですか？ラハールさんの感情が少しずつ変化してるのを。ようやくラハールさんも愛に目覚め始めたと思ったのですが。はは。だからさっき珍しく怒ってたのね。ええ。ま、悪魔なんてみんなあんなもんよ。妙な期待してるみたいだけど、悪魔に愛を求める方が無茶ってもんなんじゃないの？本当にそうなのでしょうか。けど殿下の場合はちょっと特別かもね。特別？そう、殿下のお母さん、つまり私たちにとって王妃様だった人がかなりの変わり者でね、ことあるごとに愛とか優しさを語るわけよ。それって全然変じゃないですけど。私も王妃様は嫌いじゃなかったけど、人間だったからしょうがないんだろうね。人間？そう、魔女修行のために魔界へ来た人間だったんだよ。それを魔王様が一目惚れしちゃってね。でもって挙句の果てにできたのがあの殿下ってわけ。へえ、そうだったんですか。王妃様がよく言ってたわ。悪魔にも愛はあるってね。Elle serait bien entendue avec la mère de la reine。特に殿下には優しい子に育ってほしいからって殿下が悪さするたびにお説教してたっけ。フロンちゃんって王妃様に似てるのかもね。でもそんなお母さんに育てられたのにどうしてラハールさんは。死んじゃったのよ。え、昔殿下がね、魔王様でも治せないような重い病気にかかったのよ。殿下を助ける方法は一つしかなかった。それは殿下を愛する者の命。それじゃあ。そう、王妃様は魔王様が止めるのも聞かず、殿下のために自らの命を。それからだと思う。殿下が愛や優しさを憎むようになったのは。そんな。じゃあその憎しみが消えない限り、ラハールさんはずっと愛情を閉ざしたまま生きていかなければならないというのですか。だとしたらそんなの悲しすぎます。そうかもね。でも殿下だって好きで憎んでるわけじゃないと思うよ。憎しみを消したくても消せないだけなんじゃないかな。だから今日のフロンちゃんの言葉結構きつかったんじゃない。あ、ま、あたしには関係ないけどね。Tu dis que ça te regarde pas, mais t'as tout déballé, quoi. Ah. J'ai dit que ça m'a volé.Level 28, ouais. Les amis commencent déjà à rattraper en retard, hein.
Juste que je me méfie là. Non mais celle qui a l'arme de différentes couleurs tout de suite en fait. Ah, je savais même pas que ça jouait sur skin des armes, le fait qu'elles étaient légendaires ou pas. Là, elles sont en train de booster l'attaque à fond. Ok, c'est le mec là. La glace, je vais prendre toi. Et vos faiblesses. En vain. Ah, comme ça on lui aura pu faire du double attaque à la con.
72 c'est ça. Bon bah sur ce, je vais essayer de regarder, on se retrouve la prochaine fois pour la suite, et sur ce, salut salut.